Vendredi 24 novembre, c'est jour d'ouverture du marché de Noël. Dans l'allée des créateurs et des artisans régionaux, Géraldine met la touche finale à la décoration avant d'accueillir les premiers clients. C'est sa première participation et elle attend beaucoup de ces 10 jours d'exposition. J'attends surtout qu'on me repère, qu'on me découvre aussi, qu'on découvre mon monde. Et voilà, pour le moment, c'est un petit peu ça que j'attends, que les gens sachent que je suis là, que je suis sur Orléans, que je voilà ce que je fais. À quelques chalets de là, Coralie est fin prête. Sa spécialité, fabriquer des bijoux à partir de récupération de mécanismes d'horlogerie. Déjà présente l'an passé, pour elle, le marché de Noël est un véritable tremplin. C'est un très bon retour parce que les gens ne me connaissent pas forcément dans ma boutique, puisque j'ai une boutique en centre-ville d'Orléans. Et ça leur permet de découvrir vraiment mon travail de plus près, sans avoir la vitrine qui peut être un frein dans une boutique. Là, ils peuvent toucher, vraiment regarder de plus près. Et moi, ça m'a amené beaucoup, beaucoup de retours. Mieux encore, c'est l'occasion de faire de belles rencontres entre exposants. Au début, on se regarde tous, on se dit tiens, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est plutôt sympa. Et puis petit à petit, à force d'ouvrir le matin, fermer le soir, il y a une petite cohésion, une petite rencontre. Tiens, tu veux que je t'aide, tu n'y arrives pas. Et puis au fur et à mesure du temps, on apprend à se connaître et il y a une super ambiance. Place de la République, une petite marque de bière récemment installée à Sercotte, près d'Orléans, s'est fait une place entre le vin chaud et les chichis. Pour ces jeunes entrepreneurs, l'opportunité de se faire connaître est trop belle. C'est l'occasion en fait de faire découvrir au plus grand nombre en fait le monde de la bière artisanale, montrer un petit peu les différents types de bières qui peuvent aller de la bière blonde à la bière ambrée, en passant par l'IPA, une bière un peu plus amère, et montrer différentes saveurs. Sur le marché, les créateurs et les artisans régionaux sont là pour vendre, bien sûr. Mais avant tout, ce sont des rencontres qu'ils recherchent pour transmettre leur passion. C'est ça aussi, la magie de Noël.